Bienvenue dans ce premier épisode de The Paranormal Urbex. Eh oui, je sais, c'est bizarre, hein. Alors comment ça va se passer? Eh ben, vous allez le voir dans les secondes qui suivent. Mais avant, je vous explique un petit peu les commandes et pourquoi. Vous vous souvenez, il y a 2 ans de ça, bientôt, j'avais réalisé donc une émission qui s'appelait Paranormal Urbex. Elle a bien marché. Et puis après, j'avais souhaité prendre de la hauteur avec la chauve-souris. Ce que j'ai fait, donc j'en suis très fier. Et là, on va encore monter d'un level et je vais faire revenir Paranormal Urbex. Mais cette fois-ci, c'est encore pire. C'est The Paranormal Urbex. Donc ça se démarque de la première formule que je vous avais offert. Évidemment, The Paranormal Urbex, c'est une toute nouvelle édition qui se démarque largement de la première. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Et je ne suis pas tout seul. Et oui, magnifique statue de la Vierge Marie, c'est symbolique par rapport au contenu que vous retrouverez dans The Paranormal Urbex. Et vous allez maintenant découvrir le personnage qui m'accompagnera tout au long de ces aventures. Ah, oh, on le connaît. Salut à tous. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Donc, le crucifix. Ouais. La Bible. La Bible. Good. Voilà. Tu t'appelles Stéphane. Exactement. Tu es catholique. Exactement. Et là, tu es venu faire de la prédication. Tout à fait. Dans The Paranormal Urbex. Qu'est-ce que ça te fait de, un peu, j'allais dire, de reprendre le flambeau, mais cette fois-ci en prenant beaucoup de hauteur et en se libérant un peu des gadgets et des trucs comme ça, tu sais? Ah, bah, c'est autre chose. On n'a pas de gadgets, on n'a pas de bip-bip. On fait tout avec notre seule arme. Ouais. La Bible et la croix. Et la foi surtout. Et oui, oui. La foi est inébranlable. Parce que l'esprit en question... Et que de mieux, ah, oui, de oui. Notre mère, la Vierge Marie. Quoi. Je te le fais pas dire. Alors, les esprits ont-ils besoin de pods, de gadgets, de bip-bip, de détecteurs de champs électromagnétiques, de je sais pas quoi? Du tout. Et à savoir, ils sont dans les purgatoires. Ils ont juste besoin de prières pour pouvoir partir clairement vers la lumière. Ouais. Voilà. Et on va essayer. On est là pour ça. Faut dire, on n'est pas des passeurs d'âme. Hein. Non, on n'est pas des passeurs d'âme. Non, non, on essaye au mieux de les faire aller vers la lumière, si possible. Hein. Il faut après, on fait comme on peut, hein. Avec les moyens qu'on a. Eh bien, notre audience va découvrir ça au fur et à mesure du temps et comprendre que eux aussi, d'ailleurs, peuvent faire la même chose. Ils y participent. Vraiment, d'ailleurs, merci aux donateurs, hein, qui, sans eux, ça ne pourrait pas être possible. Comme d'hab, c'était la même chose avec Paranormal Urbex premier, sauf que personne ne beaucoup ne comprenaient pas. La même chose avec la chauve-souris, c'était déjà un peu plus clair. Et là, on va très clairement éclaircir les choses. On n'est pas là pour affirmer que ce qui suit est vrai. C'est vrai. Non, chacun bien sûr, croit en ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas de fake. La définition du fake, c'est... C'est d'obliger à croire ce qui est. C'est pas le cas. On n'oblige personne. On ne cherche pas à faire croire que c'est vrai. Exactement. Voilà. La définition du fake... Si vous voulez le prendre comme une série, comme un divertissement, ou le croire, pourquoi pas, pas de problème. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut. La définition du fake, c'est de chercher absolument, impérativement à faire croire que c'est vrai. Ce n'est pas du tout le cas de l'émission. Exactement. C'est pas du tout le cas. Il va falloir y revenir 1 million de fois tellement il y a de cons qui suivent. Je crois mais bien, ouais. On verra. Ok, allez. Petite dédicace aux détracteurs alors. ouais, petite dédicace de type allez vous faire enculer. Clair et net. C'est parti. C'est parti. On est parti. Et voilà, donc on reprend la route, les amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Et voilà, on reprend la route. Donc, il y a pas mal de trajets. On va vous passer tous les détails. Mais voilà, on y est, on est parti. Une bonne fois pour toutes. Eh bien, on est bientôt arrivé au lieu, donc on passe beaucoup de routes, hein, évidemment. Il y a beaucoup de découpage dans ce type d'émission. Donc ne soyez pas étonnés par la suite. Une fois qu'il y en a qui fassent semblant de ne pas comprendre. Voilà, donc on a fait quoi, 3 quarts d'heure, 1 heure de
où on va, c'est un hôtel. Exactement. Raconte un petit peu l'histoire. C'est un couple. C'est un vieux couple qui faisait des séances de spiritisme, en fait, dans l'hôtel. C'est bien que, en fait, l'hôtel a carrément été hanté. Et le problème, c'est que les gens qui allaient dans cet hôtel avaient des phénomènes de ouf. Des phénomènes vraiment de ouf, tu vois. Ouais. On est arrivé. Et voilà, donc en fait, ils voulaient plus. Bah, ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite, quoi. Ils voulaient plus aller là-bas. Il y avait tellement de choses qui se passaient que voilà. Ouais. Le problème, c'est que j'y vois rien. Mais t'es plein fort. Ouais. Mais ils ont été obligés de fermer. Tellement, tu vois, c'est. Voilà, il n'y avait quoi. Plus c'est, personne, c'est, quoi. C'est le truc de la faillite. Ah ouais. Bon, on va voir. Et ça. Malheureusement, ouais, voilà. J'ai envie de dire que. C'était assez compliqué. Moralité, quoi, ne jamais faire de spiritisme. Bah ouais, ça c'est sûr. Mais parce que. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'église catholique, c'est totalement interdit hein, de chercher à communiquer avec les morts continuellement au point de les retenir ici. Et justement, nous, chers amis, des fois que vous ne l'ayez pas compris, c'est qu'on est là pour les faire partir, prier pour eux et leur dire que ce monde n'est plus à eux. Oh, j'ai l'air d'un démon comme ça. Regardez, ça me fait des petites cornes là. Oh là là là, il fait peur, Morgan Priest, encore une fois. T'es prêt? On y va. On y va. Un peu de bruit là, il y a un chien qui est assez loin. Bon, on va y aller. T'es prêt? Regardez ça, comme le lieu est incroyable. C'est un collègue. Donc là, on est sur le bord d'une route. Hein. Vous l'entendez sûrement. L'endroit est vachement oppressant, t'as vu? Je sens en face. Hein? Oui, je l'avais entendu, c'est ce que je disais. Il y a un chien qui aboie, il y a les voitures, alors est-ce que c'est la vibration? Parce que t'as vu, c'est tout cassé. Ouais. Et il y a peut-être une plaque qui est tombée, je sais pas, j'ai entendu un de ces bruits. Ouais. J'y sens pas, je sais pas, c'est bizarre. Bien. Sur le dessus. Il y a un truc sur le dessus. Ouais, je trouvais pas. Non, c'est sûr, t'as rien du tout. Là, c'est glauque. Ne vous inquiétez pas, nous sommes venus en paix. Nous faisons une émission qui s'appelle The Paranormal Urbex. Ouais, il aboie, ouais. Putain, c'est glauque. T'entends, il aboie là. Ouais. J'entendais un bruit juste à côté de moi. C'était une chauve-souris, ouais. Elle était juste là. Ouais. Je vais faire le tour. C'est quoi ce truc de fou? C'est quoi? C'est quoi?
quoi qui a fait ça? C'est toi qui a fait ça? C'est quoi qui a fait ça? Regarde. Putain, t'en as bord de boue non plus. Faut pas rester au bord de la route non plus. On peut pas rentrer. Oh là. Et y'a un truc qui est tombé, t'as marché sur quelque chose. C'est une plaque, non? T'as marché sur quelque chose ou pas? Bah non, j'ai rien marché. Non, moi non plus. J'ai l'impression qu'il y a des toits. Le toit là, regarde. C'est pas le toit qui tombe. Oh putain. C'est pas la... Oh putain. Oh mon cœur, bordel. Putain, t'as pas marché sur un truc? Non, j'ai marché sur rien. Protégez-nous, Sainte-Marie. Putain, je tremble comme un malade. Protégez-nous, Sainte-Marie. Nous sommes venus en paix pour libérer, pour prier. Nous sommes venus pour prier les... J'ai entendu là un truc. Il y a quelque chose. Un soufflement. Il y a quelque chose. Ouais. Nous sommes venus pour prier. Je crois qu'on va pas rester. Mon cœur est encore en train de battre à fond. C'est quoi ça? Un bruit juste derrière moi. Putain. Il y a un bruit juste derrière moi, t'as entendu? C'est la porte, ouais. C'est la porte. Fais gaffe à toi. Ça y est, nous sommes venus en paix. Nous sommes venus en paix, ne nous agressez pas. Putain, j'ai du mal à tenir. Ne nous agressez pas. J'ai du mal à tenir la caméra, bordel. Attends, je me sens pas bien. Je te jure, je me sens pas bien. Seigneur, aidez-nous. Père, l'éternel est nous. Ça va, regarde. Regarde. Mais pour rester là, j'ai envie de vomir, putain, ça va plus bien. J'ai envie de vomir. Je te le dis, il faut pas qu'on reste là. Tu vas bien en bas dehors si tu veux. Ouais, y'a un truc là, je récupère la caméra. Putain, je suis pas bien, Stéphane, je suis un truc là. Mais touche mon cœur ça. Je me dis putain c'est grave. Putain. Mais regarde. C'est grave. Ici. J'ai vu un truc ici. C'est peut-être une lumière qui passe des voitures. Putain, je suis désolé, je filme n'importe comment Stéphane. Ça va pas. Ah putain. Attends, faut pas que je reste ici, il y a un truc qui m'envahit. Ah ouais. Il y a un truc qui m'envahit. Tu sens? Putain, je me sens oppressé de plus en plus. Je te l'ai dit déjà d'entrée. Regarde, je tremble à mort. Putain, c'est pareil. Putain. Donne-moi la lampe si tu veux. Tu veux. J'ai vu franchement. La voiture. Moi ça va pas non plus, je t'ai dit franchement ça va pas. Ici, faut qu'on bouge de là. Oh là là, bordel. Faut qu'on bouge de là. J'ai du mal à filmer et tout là. Laisse tomber Morgane. C'est quoi? Je te jure, je me sens tout engourdi, tout endolori et tout, ça va pas du tout. Viens, je vais t'aider.
Oh, ça fait chier, putain, attends, on vient juste de commencer. Non, viens, on va bouger à la voiture, je crois que c'est pas bien. Non, attends, on va prier. On va prier, on va quand même pas se barrer tout de suite. Je suis d'accord. Je te dis, viens, on va à la voiture, on va prendre un coup et tout, ça. Je te dis, vas-y, viens. Quoi, c'est un bruit? Mais Morgane, putain, je t'ai dit. Oh. Je t'ai dit, regarde le volet. Le volet s'est ouvert, je t'ai dit. Je l'ai refermé. Je t'ai dit, je l'ai refermé. J'ai des frissons partout. Là, c'est regarde ce truc de malade. Je te fais fou. Donne-moi la lumière. Je t'ai dit, je viens de défermer les volets. Ouais. Je t'ai dit, c'était fermé. C'est, ça, c'est ouvert. Vas-y, il y a un truc juste derrière moi. Il y a un truc qui va toucher. Il y a un truc qui va toucher. Il y a un truc qui m'a touché, viens, on se casse à la voiture, on se casse à la voiture, vas-y, on se part, c'est par là, c'est là. Il y a un truc qui m'a touché juste derrière, putain. Ah, j'ai vu. Oh. Viens, on se casse. Ouais, il y avait un truc juste derrière. Ce truc de fou. Putain, regarde ce truc de malade. Viens. C'est un truc de barre. J'éteins la lumière ici pour pas qu'on se fasse repérer par les voitures. Éteins. Ça va, Morgane? Ouais. Putain, ça va. Sérieux, c'est chaud. Ça fait un quart d'heure qu'on est dans la bagnole. Ça va mieux? On va y retourner. T'es sûr? Moi, je suis désolé. Je suis pas chaud. Je me sentais mal, j'avais grave. Morgane, je te dis franchement, je suis pas chaud. J'ai senti d'entrée quand on est arrivé déjà à l'entrée. Ouais. C'était pas bon. On est ici pour ça. On va rentrer. On va les interpeller. Tu sais comment ça fait, on va prier après. Moi, ouais. J'ai été attaqué une fois, j'ai pas envie d'être attaqué une nouvelle fois. Quoi. Bien qu'on ait la foi, il n'y a pas de souci. On est avec Dieu, et à partir de là, il peut rien nous arriver. Ah, mais bon, t'as vu comment t'étais pas bien là? Et moi, je tremblais. T'as vu qu'à chaque fois, on s'en est bien sorti. Je suis flippé, quoi. Je te le dis franchement, je suis flippé, Morgane. Et toi, t'étais vraiment pas bien là tout à l'heure. Heureusement qu'on est retourné à la voiture, parce que franchement, j'y sens pas bien. Qu'est-ce que t'en penses? Plus de peur que de mal, franchement. Moi, je pense qu'on annule le truc. On y retourne. Pas longtemps, on y retourne. Et fait quoi, on va prier. S'il y a des phénomènes comme ça, c'est parce qu'il y a du monde. Il faut leur dire de se barrer, au moins. Puis il faut ramener des images. On va pas faire le tour complet. Il faut ramener des images à nos supporters aussi. J'aime bien parce que les gens, ils voient pas, quoi. Ouais, ils sont là, t'as vu, ils sont... Ouais, bah bien. je voudrais faire le tour du proprio, au moins, tu vois, c'est aussi ça le concept. Proprio, puis t'as vu. Bon, après, il y a la route qui est derrière et tout. Mais t'as 7 ans, c'est pas serré. L'un n'excuse pas l'autre. T'as vu ça, ces machins, le volet qui s'est ouvert tout seul. Il y a un truc qui a explosé carrément vers nous. Voilà, il y a un truc qui m'a touché à un moment donné. Je sentais un truc bizarre dans ma nuque. Sur la nuque, t'as cru que c'était une bestiole, je sais pas. Ouais, j'ai regardé, il y avait rien. J'entendais même un bruit. Il y avait rien du tout. Ouais. Ouais, j'ai regardé, j'ai allumé avec ma lampe, tout, il n'y avait rien du tout. Je crois qu'il y avait une sorte de bête, un truc comme ça. Un machin qui te touchait, quoi, je sais pas, mais non, il n'y avait rien, j'ai allumé. J'étais éclairé et tout, je t'arrive. Tu sais, les phénomènes, on en a eu quand même beaucoup. Et là, je te jure, ça fait du bien de plus avoir envie de vomir comme ça. Ouais, t'as la tête qui tourne, t'as l'impression d'avoir fait le grand 8 à l'envers trois fois. Les poils qui se dressaient, j'avais carrément des chairs de poule et tout. T'sais. Ouais, j'ai vu. Je pouvais pas m'empêcher de trembler. Et je me sentais pas bien dedans. Quand je suis arrivé déjà à l'entrée, je sais pas, j'y ai senti tout de suite pas bon du tout. Tu te sens d'y retourner, on y va quand même, on ne reste pas longtemps. Je me sens d'y retourner. Dans le catholicisme, ça fonctionne selon la foi. Ouais. Hein, donc le chapelet, les bougies, même un lieu comme Lourdes, c'est un sacramental en fait. Et les sacramentaux fonctionnent dans la mesure où on y croit, contrairement aux sacrements. Exactement. Où les sacrements fonctionnent même si on n'y croit pas. Donc là, c'est une question de foi. C'est l'objet qui nous aide à avoir cette foi comme ça. C'est vraiment une aide à la prière, une aide dans notre travail en fait. Et on a l'écriture. Et moi, je serais tenté, tu me dis ce que t'en penses, on peut aller balancer 2-3 versets dans ce lieu-là. Une bénédiction. Je te dis, franchement, j'ai du esprit. Je suis pas bien. Enfin, j'y sens pas. Je sens pas du tout. Parce que je repense à des trucs qui nous arrivaient. Ouais. Enfin, dans la chauve-souris, tu vois. Et j'ai pas envie de revivre ça. Voilà quoi. Ça me fait vraiment flipper. Ça me fait chier. C'est un truc dans le plafond. Là, un truc merde, je sais pas quoi. Là, on aurait une grosse mouche. J'aime pas bien. Il y a des mouches? Ouais, regarde, vers toi, juste en haut. Tu la vois? Ouais.
Ça, j'y aime pas, je te le dis direct. Apparition des mouches. J'aime pas bien. Généralement, c'est tu sais que Satan, on l'appelle le seigneur des mouches. Le seigneur des mouches, c'est bien pour ça que je te dis que j'aime pas bien. Écoute. Parce que ces personnes, je sais pas qui c'est qu'elles invoquaient, elles jouaient en tout cas des séances de spiritisme. Ouais. Assez violente apparemment pour que les gens quittent l'hôtel, tout à fait. Que l'hôtel fasse faillite, que plus personne. Et puis t'as vu, on est dans un cadre qui est quand même assez joli. Écoute, un hôtel comme ça, ça peut pas tomber. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. On peut pas laisser les esprits ici. Il y en a. Okay. File-moi la caméra, s'il te plaît, Steph. Je te refile les sacramentaux et puis on est parti. D'au moins un quart d'heure, 20 minutes là. On y va. Il y a un truc qui vient de passer juste devant la caméra. Je sais pas si c'est une poussière ou ce qu'on appelle un orbe. Ah, juste à côté de moi, au moment où il y a une sphère de lumière qui est passée devant toi. T'as vu ça? Il y a une sphère de lumière qui est passée juste devant toi et après il y a eu un truc qui a tapé. J'y ai senti. Il m'aurait dit que c'est passé, tu sais, comme un courant d'air. Ouais. Putain. Bon allez, je crois qu'on a une autre dose. Il y a quoi là derrière cette porte-là? Hein? S'il vous plaît, calmez-vous. Inutile de tout casser. Seigneur. Nous sommes venus en paix. Nous faisons The Paranormal Urbex. Et ne nous agressez pas. On est animé uniquement. Ne nous agressez pas. On est animé uniquement que de positif. Juste ça. Nous voulons juste prier pour vous. On respecte les lieux, on vient pas casser. D'ailleurs, tout est déjà cassé, donc finalement. Nous voulons juste prier pour vous, si vous permettez. Un son là, t'as entendu? Ouais. C'est un truc de fou, ouais. C'est une voix. C'est pas là-bas. Ça disait quoi? Des gens dégagés, j'ai entendu dégager. T'as entendu dégager? Ouais, j'ai entendu dégager. J'ai entendu un peu, mais je n'ai pas compris ce qu'ils disaient. Y a des mouches? Non, c'est un truc de malade, ça. Oh, putain! Seigneur! Porte de merde! Bénissez cet hôtel, Seigneur! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus de Nazareth! Encore un mot! Bénissez cet hôtel! Au nom de Jésus-Christ! Protégez-nous! Seigneur mon Dieu! Protégez-nous! Ne nous attaquez pas! Nous sommes des enfants du Christ! Si vous avez quoi que ce soit à nous faire passer, faites-le. Mais ne nous agressez pas. C'est un coup à faire une crise cardiaque, cette histoire. Viens, on va aller... Je te dis, je suis rempli, il y a des mouches. Là. T'as vu? Il y avait plein de mouches, tu sais. C'est quoi qui est tombé, là? J'ai entendu un putain de boum, là, un machin qui est... On va lire un passage de l'écriture. C'est ce que je veux faire. Moi, je pense qu'on va bénir vite fait cet hôtel, on va se sauver. Ouais, carrément. Faut pas qu'on reste là. Carrément. Faut pas qu'on reste là. Je te dis, j'étais dans Corinthiens, justement. Pour les Corinthiens, ouais. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit.
Et je prierai aussi avec l'intelligence. C'était quoi? Une voix? Une voix? Ouais, ouais, il y a quelqu'un. Ça me parle dans les oreilles. Ouais, ouais. J'ai bien entendu. Prie, prie. Tiens, regarde. Prie. Ça me bloque. Steph, oui, prie. Oui, oui, oui. Je chanterai avec l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu bénis avec l'esprit, comment celui qui occupe la place de l'homme sans instruction en langue dira-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Je tremble depuis tout à l'heure, bordel. C'est pareil. Seigneur. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça a frappé juste derrière. Je te le dis, c'est un avertissement. Parce que putain. Oh là 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 là. Écoute, écoute. Putain, t'as entendu? Ouais, ça craque. Dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Amen. Seigneur, je te demande de bénir cette maison et d'éloigner ici ces esprits malades. Oh là là, oh. Tu tombes. Va, regarde, viens, passe-toi. T'es où? Vite, oh, ça pète de partout. Ça pète de partout. Ça pète de partout, bordel. Oh. On s'est fait jeter. On s'est fait jeter, je l'ai senti. Ça va? Non, ça m'a griffé la gueule. T'as quoi? Je sais pas, ça m'a griffé là, je suis pas griffé. J'y ai senti là. Putain, ça va te jeter. Je le savais. J'y ai senti direct. J'y ai senti, je disais. J'étais en train de dire, je t'ai dit, c'est pas bien, ça me prend au bide. Je te dis, ça va pas. On s'est fait jeter direct. On s'est fait jeter. On s'est fait jeter. Oh putain. On reste en... Là, c'est mort. Allez, viens, on y retourne. Ouais. Allez, viens, on y retourne. Ça m'a griffé là. Non, Steph, sérieux. J'ai senti une griffure, tu sais. Non, fais voir. Non, t'as rien. Ça va. Juste un petit peu de rouge, non, ça va. Ça me donne de mauvais souvenirs. En plus, j'y ai senti, là. En passant, puis t'en prends compte, on s'est fait jeter. Hé, hey, Steph. On s'est fait jeter comme des malades. Steph. Ouais. On y retourne. La dernière. Hey, je suis pas tranquille du tout. On fait la prière finale. On fait la prière finale et on se barre. Allez. Yeah. Bon, on va l'entrer, hein, c'est tout. Qui peut être plus fort que le Christ? Que les saints et que les anges qui sont avec Dieu. Faire jeter, je sais pas si tu imagines, regarde le bloc. Regarde ce bloc. Il s'est carrément déplacé. En fait, ça réagit bien quand on prie. Ça réagit à fond. Merci, mais non, j'ai pas trop envie de. Ils le savent. D'en arriver là. J'ai pas trop envie de. J'ai senti, je te dis, je suis pas bien. Steph, la prière finale. On va au niveau de ce putain de meuble là. Et puis on y va, ok? Te prions. Donc c'est phénomène, arrête. Je viens d'entendre une voix juste là, là. Là, là. Maintenant et alors notre mort. Une sorte de grognement, un truc bizarre. Bénis cette maison. Aide ces esprits à rejoindre cette lumière, ta lumière, Seigneur, car nous sommes tes enfants, et tu nous bénis, et tu nous protèges, Seigneur, car en toi nous avons la foi, Seigneur. Bénis cette maison, bénis-nous, protège-nous, garde-nous en ton sein, Seigneur. Ça va pas, Morgan? Je me sens mal. Ça va pas? Je me sens mal. Je sens pas du tout. Putain, on va se parer de là. On va se parer de là, c'est un truc de barbe. Juste là que c'est passé. T'as eu quoi? T'as pas eu, j'ai vu carrément un truc là qui passait comme ça. Ah putain, attends, excuse-moi. Non, non, ça va pas. Hein? T'es tout blanc. Ouais, c'est normal, je suis gothique. Non, t'es vraiment blanc. Ah putain, ça vient d'être plus blanc. Je me sens mal. Ah, ça revient, j'ai envie de dégueuler. T'as posé ça. Putain, c'est...
essayer de récupérer tout ça. Regarde, ça va pas. Putain, c'est pas possible. Putain, on est dans la merde. Regarde, ça va. J'ai envie de vomir. Je m'en vais encore. Putain. Eh bien, on se sauve. Viens avec moi. Putain, viens avec moi. Regarde, putain. Cet esprit. Seigneur, Seigneur, protège Morgane. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Sors de ce corps. Sors du corps de mon ami. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ. Tu sors. Sors de Morgane. Ne l'atteins pas. Laisse-le tranquille. Et pars. Laisse-le tranquille et pars. Je t'en conjure au nom de Jésus. Au nom de la Vierge Marie. De l'Archange Gabriel. Je t'en prie. Laisse-nous tranquille. Pars d'ici. Je te le demande maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors, tu quittes cette maison. Tu nous laisses tranquille. Quitte cette maison. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus, tu quittes cette maison. Et tu nous laisses tranquille. Oh putain. T'entends. Putain. Il y a un poids qui vient de se parler à l'instant. J'entends plus rien. Tu ressens quelque chose, toi? Oh, putain. Je me souviens, j'ai commencé à avoir... J'ai vu, t'étais tout blanc, là. T'étais tout blanc, c'est pour ça que je suis en train de... Je récupérais les trucs et tout. Oh, putain. Moi, tu vois, je pense que... Je pense que la prière a fonctionné. Qu'est-ce que t'en penses? C'est tellement désagréable. On va se barrer. Putain, merci d'avoir pris. J'y sens pas... Fille-moi là. Pas plus que ça. Ça s'est calmé. Ça a l'air de s'être calmé. Écoutez, nous allons partir. Nous étions venus ici pour prier pour vous. Parce que on pensait que vous étiez peut-être encore ici, dans ce lieu. Ce monde n'est plus à vous. Vous pouvez partir tout simplement. Nous avons bien vu comment vous réagissiez lors de nos prières. J'ai bien ressenti votre mal-être. Maintenant... Là, il n'y a plus rien. C'est plus... Je crois que... Sûr. C'est de la folie, ça. Je sais pas à quel moment c'est arrivé, ça. C'est de la folie. Je crois qu'on a une autre dose. On s'est fait jeter, et maintenant, il n'y a plus rien. Ça a marché. C'est un truc de fou. C'est fou. C'est la parole. Je te le dis franchement, ça a marché. Grave. Bien sûr que ça marche. C'est pour ça que je voulais vraiment, tu vois, qu'on y retourne. On est là pour ça. Sans doute le fait que ça marche, que voilà. Bah oui. Ouais, mais c'est toujours quelque chose. Mais c'est voilà quoi. Ah comment je suis soulagé, bordel, physiquement c'est aussi. Incroyable, pareil. Je te jure, je ressentais comme un mal-être. Je pouvais pas rentrer. Ça me prenait. J'avais la chair de poule. J'étais pas bien. On s'est fait jeter. Je crois qu'on a...
accompli notre mission. C'est bizarre, c'est que en fait, tu vois. C'est incroyable. Ce qui s'est passé ici, Morgane, c'est un truc de merde. Tu sais, physiquement, je me suis ressenti d'un seul coup comme s'il y avait un poids qui se barrait. Et puis l'atmosphère aussi. Soudainement. Parce que là, on est rentré. C'est quoi? On est rentré. Et quand on est rentré, j'avais du mal à poser le pied dedans. Ouais. Tout de suite, j'ai eu de, cette sensation de chair de poule, de pisser. Le mal-être. Ouais. Et là, il n'y a plus rien. Je sens plus rien. C'est fou, hein, t'as vu, après la prière, comment ça, tout de suite... On s'est fait attaquer, il y a des trucs, t'as vu ce machin qui a bougé là-bas. Ouais, grave. Et, est-ce que, tu, je sais pas si tu te souviens, mais des meubles de cette taille, qui à chaque fois qui ont bougé, qui se sont fait carrément renverser, casser... Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, ces esprits qui sont quelque part mauvais, qui nous jettent... Ouais. Bouge quand même des trucs énormes. C'est énorme. C'est une puissance colossale. Tu te rappelles dans Job, au chapitre 1 et 2, Satan, ce qu'il fait? Exactement. Si on était dessous, moi, je ne sais pas comment qu'on aurait réagi. Je suis soulagé parce qu'on a béni cette maison. Et c'est le premier épisode et il y en aura d'autres. Ok, allez, on est de retour. Donc on rentre à la maison. Je crois qu'on a mérité une bonne nuit parce que là on a eu des phénomènes de ouf. Je crois que c'est tout droit. Putain de mouche là. Il y a trois mouches. T'as vu ça? Je me sens vidé en fait. Ouais, moi aussi. C'est... Vraiment, j'ai l'impression de. Ça casse énormément. C'était très physique. J'espère que ces images, en tout cas, vous auront intéressé. Et on va en rester là. C'était le premier épisode de The Paranormal Urbex. Sans les gadgets et les conneries, les bordels et les trucs, là, on va droit au but, droit à l'essentiel, un peu comme la chauve-souris, mais version The Paranormal Urbex. Et merci à mes donateurs de me permettre encore de réaliser plein de trucs pour vous. Je suis vidé. J'en connais un autre qui est vidé aussi à côté. Repos là, bien mérité. À bientôt, c'était The Paranormal Urbex.